10 points à l'équipe de la saison dernière. Félix Oukiné, qu'on ne représente plus à l'Odossar 38, l'homme de plus remuant de cette équipe de Coton Sport de Garoua, l'homme famille, alors que le stade est véritablement en décelant cet après-midi, pour le rappeler ce soir autant pour moi, cette nuit, pourquoi pas, c'est l'une des premières après la Coupe d'Afrique des Nations, du côté qui s'est déroulée dans ce pays, le pays de Samuel Tobis, le pays de Jérémy Dita, le pays de Rigobert Somana et le pays du très célèbre président de la République, on ne présente plus, Paul Biya, aujourd'hui, pourquoi pas abriter ce trophée des champions qui, il faut le rappeler, est à sa troisième édition cette année, il faut le rappeler. Le détenteur en chef de ce trophée des transports n'est rien d'autre que Stade Renard de Melon qui était venu à bout du lit de UMS de Loum. C'était toujours c'est ce même stade il y a cela, 4 ans, bien sûr, on sait comment. Le stade, on sait comment le football camerounais s'est porté durant une belle disette. Le football camerounais et de la Unie de la région de l'Ouest, l'insigne d'honneur lui a été donné ce soir, de donner le coup d'envoi pour cette rencontre, parce qu'il faut le rappeler, c'est quand même le patron, et c'est parti. Quelle passe magistrale, et amorti de Samuel Tobis. En l'occurrence, Gonali. Je vais dire Gonali en défense, Kaiba au milieu de terrain et Anata Marousse, je vais dire Patience Wassou, alors que du côté de Bamoutos de Bouda, nous avons tout simplement Benjamin Bielé, attends, un coéquipier bien placé, doit essayer de jouer avec Beto Ronan, juste sur la même ligne avec Serge Mani Coupide. Coupide Mani, c'est une faute. Faute de Eno sur, il faut le rappeler, sur Serge Coupide Mani qui essaye, pourquoi pas, de balancer le cuir et le ballon qui est balancé tout simplement par Essama. Essama qui a voulu tuer sur le poteau, le ballon qui n'est pas sorti. Bamoutos de Bouda encore aux avant-postes. Bamoutos de Bouda, le ballon qui est balancé pour qui personne. C'est la défense qui cherchait Nassen Joya. Nassen Joya qui est contre carré. Et attention à ce ballon qui va filer. Attention qu'elle passe à la porte de pièce. Peut-être qu'il va profiter à Bamoutos de Bouda. Et c'est l'ouverture du score. Je vous l'avais dit, il faut faire attention à cette équipe de Bamoutos de Bouda. L'erreur monumentale de la première journée, l'erreur de la Coupe du Cameroun, de la finale de la Coupe du Cameroun, vient d'être rectifiée. Il faut faire très attention. De Baou Chouaïbou, pour qui le ballon qui va filer tout simplement vers la droite, Essama qui n'a pas pu occuper le ballon. Attention, c'est genre de ballon qu'on perd dans l'entrejeu. Kenyembonye qui a essayé de venir prêter main forte. Kemadjou qui est bel et bien là. Kenyembonye, on le sait, on connaît Kenyembonye, le poteau. Kenyembonye, le trafic du Rassane Baboussa. Midi ou ce soir, cette nuit, il est plutôt bel et bien dans l'entrejeu. C'est l'équipe de Coton Sport de Garoua. Souvent ce ballon, attention! Bonne défense de Nassen Takwa. Tout simplement, Baou Chouaïbou du ballon. Baou Chouaïbou qui est véritablement dans les taux cet après-midi. Mais le match n'est pas encore fini. Oh, je le dis encore, attention! Sauvetage in extremis! Je le dis encore, public, de pousser cette équipe, pourquoi pas, à la victoire. N'en sommes pas encore là. Bon ballon, Mani, alors que un ballon qui a été trop poussé, alors qu'il y a un joueur de Bamoutos de Bouda qui se donne des douleurs. En l'occurrence, on va savoir l'identité de ce joueur qui se donne des douleurs, alors que l'arbitre central demande tout simplement aux soigneurs d'entrer avec la civière. Chambouillant, ici au stade, on le disait encore, alors que sur l'air de jeu, c'est véritablement chaud entre les joueurs de Bamoutos de Bouda et les joueurs de Coton Sport de Garoua. Betoro. Alors qu'il y a une chaude disculade, une chaude du sud entre les joueurs sur le stade. Nous osons seulement croire que peut-être l'arbitre central de cette rencontre doit sanctionner tout rapidement joué à Oumaka Sidi qui était venu prêter main forte à sa défense. Alors que nous dirigeons déjà là vers la fin du temps additionnel, faute. Et c'est la fin du match!